Faire de nos villes des cités modernes, la dynamique est enclenchée au Burkina à travers l'élaboration des chemins directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Après plusieurs villes à travers le pays, c'est le tour de Kongoussi, Thomas et Zorgo d'être munis chacune de ces outils, des outils de planification urbaine soumis ce matin aux membres de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire pour examen avant leur adoption en Conseil des ministres. L'ouverture de la session avec Moussa Ouidra. Tous membres de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, ils consacrent cette session extraordinaire à l'examen des projets SIDO de trois villes secondaires, Kongoussi, Thomas et Zorgo, en attente de leur schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Un instrument de planification spatiale pour des villes modernes à l'horizon 2040. Les SIDO permettent de fixer, de donner les grandes orientations au niveau des villes sur un horizon assez large. Ça détermine ce qu'il faut faire sur le terrain et les infrastructures à réaliser, les zones à aménager et les zones aussi qu'il ne faut pas aménager. Donc c'est des orientations qui sont données et ça permet d'avoir une planification sur un long terme. Ces documents, soumis à leur appréciation pour approbation, ont déjà été examinés au niveau communal, provincial et régional. Un long processus avant leur adoption en Conseil des ministres. On est dans un processus qui a démarré depuis 2012. Donc, on a d'abord commencé par les villes capitales régionales. Donc, les 12 capitales régionales du Burkina sont dotées de SIDO adoptés, et également pour la ville de Ouagadougou. Et maintenant, on est en train d'entamer maintenant le processus de doter les villes moyennes de SIDO. Donc, il y a eu, à la suite donc, de ces villes capitales régionales-là, une dizaine de SIDO de villes moyennes qui ont déjà été également adoptées. Une fois adoptées, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme s'impose à la collectivité comme référentiel unique de planification et du développement de la ville.